Wesh les victimes, j'espère que vous allez bien. On se capte aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur A4L. Dans cette vidéo, mesdames et messieurs, il se passe des trucs de fou avec des êtres humains qui ont un nez. Voilà. Du coup, j'espère que vous allez kiffer la vidéo. Si c'est le cas, enlevez le mode flemmard et explosez-moi la barre des likes. Je vois en ce moment, vous êtes des flemmards, vous là, vos grosses têtes. Du coup, je veux minimum 500 likes sur cette vidéo. Si vous m'écoutez, je vous donne un peu de mon intelligence, comme d'hab. Et laissez un petit commentaire aussi, dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo, c'est très important. Voilà, voilà. Et abonnez-vous aussi si c'est pas déjà fait. Activez la cloche, comme ça vous ratez rien et c'est bien quoi. Sur ce, moi j'ai fini l'intro. Là, je suis censé vous c'est tranquille, du coup je vous laisse tranquille. Donc bonne vidéo à tous. Et n'oubliez pas qu'un PC, c'est mieux allumé qu'éteint. 23h30, putain il fait chaud. Oh c'est trop frère, c'est quand l'hiver? Waouh, c'est hardcore là, ouais, je fais 40 degrés dans la chambre. En plus je suis obligé de fermer la fenêtre pour vous, parce que sinon il y a des chiens qui commencent à aboyer. Il y a plein de vidéos en bas qui font des waf waf. Il y a des silions aussi qui font cocorico. J'ai dit j'arrive à 45, hein, il est 38, il me casse déjà la tête là, t'es ma. Allo oui, bonjour, pourquoi tu m'appelles? Est-ce que je t'ai dit de m'appeler maintenant? Je t'ai dit à 45, je suis là, pourquoi tu m'appelles maintenant? Je t'ai dit j'arrive à 45, pourquoi tu m'appelles maintenant? Tu vois, là tu m'énerves, là je suis énervé. S'énerve à deux alors. Ouais, bah viens, énerve-toi, vas-y, énerve-toi. Ah B. Vous êtes où? Ma nouvelle maison, Paradise. Oh loin, ZB, c'est où déjà? C'est la... Ah ouais, c'est vrai, je m'en souviens. Ouais, j'arrive. Vas-y. Vas-y. Ah, il est bête. Ouais, Juju. Choupette. Pas de chou? La pite. Bah non, elle répond pas. Merde, désolé. J'ai juré, Choupette, t'es bête, Choupette. Toi, t'es bête. Choupette, t'es bête. J'avais zappé une demi-voyelle et tout. Et du coup, les... Hein, ouais, t'es bête, quoi, Choupette. Vas-y, tranquille, Choupette. On est combien, là? Pour l'instant, 4. Oh, ouais. Gros, est-ce que je t'ai donné l'autorisation de roter? Excuse-toi! Excuse-toi, gros! Vous êtes parti où, bande de chouins? Au garage? mais c'est moche! Vous avez oublié le beau gosse? Ah, c'est trop moche! Vous avez oublié le plus. Wouah, les gars, il y a le pneu, il est déglingué! Vous avec moi? Mais je voulais pas courir, moi, j'attendais la limousine! Oh putain! Pour être avec nous, là, c'est 1 million, hein. Donc vas-y, donne! 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 Eh hey, les gars, hey, les vrais refs ça doit payer, oui. Je te paierai une dino, t'inquiète. Vas-y, vous êtes posé. Pourquoi le pneu il va à droite? Qui va pas à gauche? Isaac, tu veux pas ramener ta Porsche Union, gros? Vas-y. Ah wesh. Ah ouais, carrément, il a pop, ok. Oh, mais c'était là, tes tubes. On peut monter là ou pas? Est-ce qu'on peut prendre l'autoroute là? Bah oui, regarde, là, tu peux faire l'inverse que de ce que tu fais d'habitude en course. Toi, tu vas toucher. Oh, t'es mal le con. T'es trop nul. T'es trop nul. C'est pas grave. T'es trop nul. C'est moi, j'ai levé l'avant. T'es une meuf compliquée. Tu es au garage Sony. Pire que toi, ça existe. Pire que moi, t'es moi. Non. Arrête, ah, on peut pas changer la peinture là, on est juste à côté. Bah, si tu me donnes l'argent, oui, vas-y. Mais c'est dégueulasse. Oui, je sais que c'est dégueulasse. Tu le revends. Qui c'est qui va acheter ça? C'est qui l'être humain qui va dire vas-y, je veux ça? Eh, Samy, tu veux une M4 comme moi pour 15 millions? Belle à vendre, pas trop de bornes et tout, les pneus sont faits, la révision elle est faite. Parfait gros, la voiture elle est en très bon état gros, rien à dire. La courroie elle est huilée, et le GPS des pneus, ils sont au top. Le pot d'échappement il fait du bruit. C'est les pneus qui font du bruit, c'est pas le pot d'échappement, t'es trop bête, tu sais quand même, toi ça se voit tu sais pas marcher une voiture. Hein. Marcher une voiture. Là, le véhicule il y a zéro dégâts niveau carrosserie, franchement c'est parfait gros. Oui, hop, là, nickel, parfait. Parce qu'en fait, gros, ce mur, il me dérangeait. Ah, ZB, ça va, toi? Ouais, de fou. je suis très... Attends, voilà, hop. Wesh, j'arrive pas à écrire aussi. Ça change pas de d'habitude. Je vais tout lever. Demain. Vas-y. Oh, putain, vas-y, une minute, là. Vas-y, casse la tête, celui qui a fait une annonce avant moi, là, putain. C'était le fou truc. Vas-y, je vais le retrouver. Retrouvez-le, tuez-le. Et en face de... Tu sais, il est en face, hein. Je vais le retrouver, je vais le tuer. Il est mort. Vas-y. Quoi? Clic-clic, pam-pam-pam. Nickel! Pour plus de trucs, il informe. Ouais, pour plus d'informations, quoi. Il casse les reins, wesh. Eh, hey, au moins, on a des trucs.
Bonjour mesdames et messieurs, c'est qui les intéressés qui sont intéressés par l'intéressage? Nous on veut juste les meufs. En fait c'est simple, si vous achetez la maison, les meufs arrivent après, c'est à 4,7 millions. C'est pas cher, c'est un bon prix, ouais. Vous avez des meufs. C'est très cher quand même. Elles sont gratuites. Enfin, les meufs, elles sont gratuites. Quand t'as payé 4,7 millions, c'est gratuit, t'inquiète. Alors, le voisin, je le connais. Ouais, ouais. Il n'a pas payé du tout ce prix-là, la maison. Il a les meufs aussi. Hein. Monsieur, vous savez ce qui s'est passé dans cette maison ou pas? Elle est chez toi, ça? Il y a eu des bébés, pardon. Je veux pas forcément savoir. Ah, il y a eu des meufs, d'ailleurs. Il y a eu des meufs, tu vois ce que je veux dire? Même pas la qualité avant. Pourquoi il passe là? Eh, c'est pas une arnaque, là. Pourquoi il passe là? C'est moi, il surveille! Mais c'est pas moi! Mais j'arnaque pas aujourd'hui! Mais j'arnaque pas aujourd'hui! Ouais, monsieur, rentre dans la cour, monsieur, rentre! Wouah, elle est trop belle la BM, jure! Bonjour, monsieur, bienvenue sur la propriété de monsieur Kopaski! Je vous invite à rentrer et de me dire ce que vous voulez savoir. Pas de problème. Du coup, vous êtes là pour quoi? Visite la maison. Du coup, monsieur, là, vous pouvez voir un grand salon d'à peu près 99 mètres carrés. Hein, Infolé? Ça fait beaucoup. Avec, ouais, comme vous le voyez, 1, 2, 3, 4 et peut-être 5 fenêtres si vous détruisez le mur qui est juste là. Voilà. Ici, vous pouvez venir là. Ici, petit espace pour les animaux. Genre, vous pouvez mettre là où ils font caca, là où ils mangent, tout ça. Hein? Ensuite ici, ouais, monsieur, nous avons le coin cuisine. Voilà, très grande cuisine, comme vous pouvez le constater. Oui, voilà, voilà. Et ici, vous avez une porte qui s'ouvre et vous pouvez aller à l'extérieur, c'est-à-dire à l'arrière de la maison. En fait, je vous explique ça, c'est les deuxièmes escaliers. Avant, on avait des escaliers avec du bois de... C'était du bois de sapin. Malheureusement, un ami à moi qui s'appelle Bouboule, extrêmement gros, qui prend trop de place, a déglingué les escaliers en descendant, tout simplement. Du coup, on a dû... C'est du bois de Boulogne. Voilà. Ah oui, je vois, Ouais, voilà, c'est du bois de... Le bois de Boulogne, ça fait quoi, moi, si j'arrache bien. Celle-là, là. Je vous éclate. C'est pas possible. C'est impossible, puisque c'est collé. Du coup, monsieur, ici, vous avez l'étage avec ici une chambre ouverte, c'est-à-dire, imaginons, vous êtes avec votre femme, vous faites du MM, votre enfant peut vous voir. Vous voulez pas te dire qu'il y a le jacuzzi aussi à droite, là, dans l'angle et tout, dans la chambre? Ensuite, monsieur, on va visiter la cinquième chambre. Venez. Venez, bouge-toi là. Venez. Vas-y, descends. Alors, en fait, monsieur, je vous explique. Ici, si vous pétez ce mur, vous avez une pièce secrète qui fait 90 mètres carrés. Et là, faut péter le mur, hein. Faut péter le mur et mettre une porte. Tout est déjà prêt à l'intérieur. Faut acheter la maison, bien évidemment, pour avoir accès à tout ça. Moi, j'ai ce qu'il faut dans mon sac, si on peut voir. Ah, voilà. Non, pas maintenant, pas comme ça. Wesh Kani, t'as montré la cave à vin à l'étage? Non, j'ai pas montré la cave à vin à l'étage. Dans le vin. Décale-toi. Suivez-moi, on va aller visiter la cave à vin. Cave à vin. Ah putain. En fait, là, vous venez de montrer des endroits pour stocker ma femme. Oui, voilà. Mais comme elle a des parties extérieures derrière, là. Ouais, d'un volume volumineux. Volumineux, voilà, ouais. Ça passe pas là où vous avez montré le stockage. Bah sinon, oui, voilà, en fait, sinon, monsieur, moi, ce que je vous conseillerais, c'est vu que le garage est collé à la maison, le garage, faites une porte de garage pour pouvoir verrouiller. Voilà, c'est ça. Et en gros, après, vous faites un sous-sol dans le garage et votre femme vivra à l'intérieur du garage, quoi, tout simplement. Et vous mettez une fenêtre entre la maison et le garage, histoire de voir ce qu'elle fait dans la maison. Si elle vous trompe ou pas, quoi, vous voyez. Merci pour l'astuce, monsieur. Je rigole d'un petit truc. C'est au niveau de mon. Ah, t'as vu tes pieds? Ok, d'accord. Ça fait pas 25 ans qu'il arnaque. Mais pas du tout. Moi, je suis un arnaqueur, vous êtes en train de dire là. Oh, les mythos. Dans la salle de bain, t'as vu ta calvasse. Qu'est-ce qu'il parle, lui? Il a un bonnet pour cacher ce. Ouais, vous pouvez le bolos. Du coup, monsieur, vous êtes intéressé par la maison ou pas? Du coup, pour le coup. Alors, moi, je suis fortement intéressé. Juste au niveau du banquet, c'est. Problème. C'est la banque, le problème. Vous vous doutez bien que c'est une belle maison et que ça vaut son prix. Hein. 4,7 millions, c'est beaucoup, certes. Tu peux faire un cadeau. C'est la capitale. Faire un cadeau à chacun d'ici. On est à 10 000 le mètre carré là pour l'instant. Ça fait 4,7 millions. On peut pas descendre en dessous de 10 000 le mètre carré. Bon, allez, je mets ma boulette grâce en grand écran. Tu parles pas de moi quand je vais le déclinguer. Je reviens vers 22h, 22h30. J'aurai les 1 million. Les gars, non! Fouleur! Mais non! J'appelle les pompiers? Oui! T'appelles? Bah oui!
100 000 euros pour vous réconforter. J'ai une facture de 100 000 euros, ça te réconforte. Vas-y, à Joey là, vas-y. Dylan, regarde ta maison, comment elle est discrète sur la carte. Il y a un gros point qu'on dit. Putain, vas-y, frère. Ma maison là, vas-y, on était discret de base. Oh là là. Mais Isaac. Mais comment il a fait, gros? Et soit vous faim, je pense. Le chat, de l'entendre le Denis, ventilateur, mais il fait trop chaud. C'est bon, j'ai fait à tout le monde la facture. Parfait, t'es le sang, monsieur. Vas-y, j'attends, vas-y. Coucou les. Chez nous. J'en ai marre. Bah, c'est pas moi. J'en ai pas marre. Moi, moi, je suis juste content. J'en ai marre. J'en ai marre de. Bah, j'en ai marre d'avoir ça comme ami. Bon, bah, allez, bonne journée. Wow. Vas-y, bonne journée, madame. La bise. On peut continuer les négociations. Est-ce que. Je vous conseille. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. C'est... Bonsoir, monsieur. C'est à l'étage. Allez-y. C'est de travailler beaucoup. Si ce soir on vend pas la maison, elle sera en vente vendredi prochain. Donc vous avez une semaine devant vous pour bosser et économiser 6 millions. Comme ça, je vous vends la maison à 3 millions. Après, vous devez payer encore 1,8 million. Et après, vous avez votre argent de côté, quoi. D'accord. Samy, t'es sûr que c'est un 5 places, hein? Oui, il y a la police au parking principal, faites attention. Vas-y, bonhomme, Simir. Pas peur, pas peur. Vas-y, poussez-vous, les pauvres. Allez, ça se pousse. Ah, bah nickel. Ah, ouais, j't'aime à sa voiture à lui, elle est trop belle. Déjà, il a les plans. Attends. Pas de ski. Non, pas lui. Si, c'est moi. Eh, comment votre voiture, elle est trop fraîche. Pouah, elle est trop belle. Oh la dinguerie. Sinon c'était juste pour vous dire ça quoi. Vas-y la bise, c'est fini. Si je vous retrouve, je vous tue. Voilà. T'as de la chance, y'a mes potes qui me retiennent. Comment il a dit la vérité? C'est faux, je veux un véhicule Paris, je suis jaloux là. Vas-y. Bah déjà faut qu'on aille chercher Follet et après on voit. Putain, bah non, attends, non, je peux pas acheter de véhicule. J'ai 500 000 en tout cas, ça fait plaisir. Toutes ces véhicules de merde en couleur de merde, tu les as. Véhicules de quoi? De bonhomme. Tu les as tous en rose. Bah, laisse-le suivre. Mais t'as l'air, il suit. Bah, écoute, au bout d'un moment, on descend, on rafale et puis voilà. Vas-y, qu'est-ce que tu prends le rond-point comme un être humain, toi? Voilà, fallait faire comme lui, gros, fallait montrer que t'étais un bonhomme. Vas-y, tu fais pas trop le bonhomme là, j'ai capté. Hein. Comment c'est. Oh là là, c'est toujours un problème. C'est lui devant là? Oui, c'est lui. T'es au max là? T'es au max là? Donc faut vraiment réparer. Hein. Demain, il va à 180... Faut essayer d'aller chez les DP, comme ça on paye pas 10K quoi, parce que ça me casse la tête. Et surtout qu'il faut réparer le moteur, donc faut aller chez les DP. Quand je vois ta tenue, je capte direct que t'es une michto. Je parle mieux. Bitches. Tu vas te. Calme, hein. Choper. Est-ce qu'il y a des DP? S'il y a des DP, go hein. Bah oui, y'en a un là. Vas-y, go. Oh ah, bah y'a plus de DP. J'ai vu comment ça a pété. Wesh ah, ouais. Wesh. Va voir. Enfin, y'en avait un peut-être. Y'avait un DP, y'avait. C'était dans le passé. Wesh. Ah, bah paf, il est choqué. C'est qui paye les réparations? C'est toi, oh, Samy, qui paye. Vas-y, hé, hey, Samy, je t'aime, putain, c'est rare. Ou paf, il t'a vu, il s'est dit, oh bah tiens, il est là lui. Qui, moi? Non, je peux reconnaître ça, blanc. Là, il est où? Il est parti, il est là-bas en face, là. T'es moi, il part. Ouais, en voiture, Simone. Mais si, en tout cas, c'est très gentil. Sachez que mon collègue est en train de vous baratiner parce que c'est un putain d'arnaqueur, et puis voilà. Ouais, voilà. Il fait payer double, monsieur. C'est pas moi qui paye, c'est pas moi qui paye. Je connais. Vas-y, spam encore Guépard, vas-y. Vas-y, spam. Coucher, tu prends rien, non. Oh, t'es con, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait quoi? T'as fait quoi? Si y'a ERE, tu fais des études. Pas un accès du test. Oh, le con. Je crois que c'est ERE. Si t'as pas de. Attends, juste, moi j'ai rien à voir là dans l'histoire là tout de suite maintenant. Fais tes bails, mon frère, parce moi j'y vais. Il a pas le permis, donc nous, voilà quoi, on le connaît pas. Hein. Tout le monde qui va rester par ici. Vous venez tous par ici. Ah. Isaac? Oui. T'es où? Bah dans mon lit. Chut, dors bien. On est ici ou ça? Bah ouais. Venez ici. Dans le lit. Ah, il est pas mal. En rose. Oui. Je suis en bleu. Je suis dans mon rêve. Ah, mamie, laisse-moi dormir. Mamie.
Mamie, je vais dire M&M's. Ah là là. Ah, mamie, les chips le matin. Lève-toi. Ah, là là, fou. Ah, bonjour, monsieur. Ah, oui, monsieur, en fait, j'étais hospitalisé parce que j'ai eu des crampes. Ah, putain. Ah. Des crampes à quoi ou ça? Alors, Samy, se fait pourquoi t'es menotté? Moi, je suis planqué. Il va me noter. Je sais pas ce qu'il a fait. Ouais, je suis dans l'hôpital avec la police. Il y a Romain, il s'est fait menotter. Deux voitures pareilles et tout. Magnifique. Belle, bonjour monsieur. T'es contre le mur. Un chantier, je m'appelle Teuz. Quoi, il manque un habillé en rouge avec un sac comme monsieur là au milieu. John Blitz, te montre pas, t'es recherché. Bonjour. Ah, malheureusement les policiers ont ton nom maintenant, je sais pas comment ça se fait, John Blitz. On se demande. Ouais. Bon, on peut ou pas là? Bon, je pense pas, mettez-lui au refus d'obtempérer, mettez-lui sur Interpol, c'est bon. Il va jamais revenir. Samy Boskov. Mais non, c'était lui. Romain, c'était qui le conducteur? S'il est parti, c'était lui. C'était Boskov? Ouais, c'était Boskov, voilà, monsieur, c'était Boskov. Il est passé par le passage. C'est vrai que si personne se dénonce, c'est le propriétaire qui prend. Non, et Samy, la T-Douam. Attends, écoute-moi bien, la T-Douam, tu te dénonces pas, tu viens plus. Eh, tu m'oublies à vie. Allez, c'est toi, voilà, c'est lui, monsieur, c'est bon, c'est lui. C'est pas moi. Mais c'est Blitz. Si personne se dénonce, c'est le propriétaire qui prend, c'est la loi qui est faite. Boskov, c'est moi, c'est toi qui conduisais. Il a combien d'excès de vitesse? T'es mal, t'es monsieur, vous avez non, vu? Moi, mais c'est trop. Non, mais c'est pour savoir, au moins je vais rembourser l'amende. Mais gros, eh la tête d'homme, gros, je vais te détruire. Monsieur, c'est bon. Non, mais eh, Samy, je sors là, t'es fini. Allez-y, embarquez-moi, allez-y, monsieur. Samy, dis-toi que si j'y vais, quand je sors, t'es mort. C'est tout? Mais non, mais j'allais te tuer après. Regardez-moi récupérer les clés de monsieur Kopaski, s'il vous plaît. Comment ça? Non. Bah non. Mais monsieur, mais c'est ma faute. Mais. Je sais bien, mais l'infraction était commise avec. Tu sais que n'empêche, il se balançait pas, c'est que t'as juste obtenu les trucs. Il est pas détruit, il est pas détruit. Siffle le véhicule est détruit, 235 au-dessus. Parce que si c'était toi qui prenais, du coup, c'est 235 la vitesse. Attends, monsieur, attends, ma voiture elle est détruite là? C'est fini? Bon, je commence à courir pour aller chercher ma voiture. La voiture sera détruite. En vous remerciant, bon courage, bonne journée. Cru que t'avais une voiture pour venir me chercher. Attends, Samy, écoute-moi bien. Quand tu sors de prison ou de je sais pas où, gros, va te cacher la tête d'homme, t'es mort. Il s'est détruit, ce gars. J'ai perdu mes M4, ils vont le détruire. Mesdames du LRI? Ouais, comment ça ma voiture avait été détruite, je comprends pas. Un excès de vitesse de super à 100 km. Oui, mais c'est pas moi qui conduisais, moi j'ai jamais été d'accord pour qu'il fasse un excès de vitesse avec ma voiture. Parce qu'il fallait pas laisser le volant à M. Boskov. Mais je savais pas qu'il allait faire un excès de vitesse, moi j'étais occupé parce qu'en fait je répondais à ma meuf sur Snap. Et du coup je me suis dit téléphone au volant. Ah, mauvaise idée, surtout qu'Isaac il était déjà à l'hôpital. Donc je me suis dit je vais laisser l'autre TB conduire. Et je savais pas qu'il allait faire un excès de vitesse aussi élevé. Et même de base faire un excès de vitesse tout court. Faut pas me détruire ma M4 alors que c'est un inconnu qui a fait l'excès de vitesse. Si. C'est pas mon ami. Mais non, si mais... vous laissez conduire votre voiture, moi là, il risque quoi là? Des gens que je connais pas. Il risque quoi là? Je sais pas ce qu'il faudrait quoi. Une verbalisation. Ouais, c'est pas grave, ok. Déjà, il va avoir un excès de permis de conduire, destruction du véhicule. Bon, du coup, putain. Là, on pense le vôtre et puis prison. Combien de temps de prison? 5 mois. Parfait. Nickel. Merci, monsieur, en tout cas. Et on se retrouve à l'enterrement de Boskov. Bisous. C'est nouveau ça. T'as envie de mourir toi? Tu vas te faire goumer. T'es mince. Va non. Vas-y, on y va. Il est où l'autre? Mais en vrai, il était pas loin. Il est où? Contre... Ouais, fais gaffe, hein. Pourquoi tu klaxonnes? On va leur dire au revoir. C'est qui la voiture qui a klaxonné, là? C'est moi. Et nous, t'es où? C'est nous. Revenez la rue d'avant, la rue du Brice là qui va vers une impasse. Au moins 4-5 000 heures, voire plus. Tu pourrais plus avoir. Oh les gars, on fait quoi? Putain, non, mais la BM, gros, je peux pas l'abandonner comme ça en fait. Dis-moi, frère, mais vas-y, j'ai la haine. Compliqué, y'a le dépanneur, y'a les flics. Y'a déjà la DP, gros. Attends, y'a les flics qui. Attends, ralentis. Ils sont à côté ou pas? Ouais, ils sont à côté. Pars-toi. C'est une bonne idée. Vas-y, garde-toi vite fait. Ouvre ta voiture. Monsieur, il y a monsieur Blitz dans la voiture. Il y a monsieur Blitz dans la voiture là. Il est tout nu là. Ouais, mais on l'a vu, il y a la pof que vous avez vu le récupérer. Monsieur, bonjour.
Hey, monsieur le DP. Oui. Y a moyen vous descendez vite fait parce qu'en fait je dois récupérer des trucs dans la voiture. Non, monsieur. Hein? Si, parce qu'en fait la dernière fois je vous ai vu. Oui, vous pouvez aller voir votre collègue, monsieur, je parle au DP là. Non, laissez-le faire son travail. Monsieur... Non, mec, ça n'empêche pas qu'on peut parler avec lui. Ouais, c'est vrai. Non, je préfère pas que vous parliez avec lui. Vous allez détruire 5 millions à un homme qui n'a rien fait. Il fait confiance à la personne qu'il fallait pas. Eh, Foller, imagine, genre là, j'ai la haine, il m'a fait perdre ma voiture. Imagine, je te fais perdre ta voiture, est-ce que toi, t'auras la haine comme moi, j'ai la haine? Vite ma mère. Ah bah les couilles, c'est une RS6 bleue, lui. La vie de ta mère, de quoi ta mère? Elle a quoi ta mère? Elle est bien. Eh, j'ai les yeux qui piquent. Wouah. Ah la 3060 Ti hein. Ah la 3060 Ti hein. Fallait mettre la RAM hein, aussi. C'est les tâches de route. Je te déglingue. Bon les gars, je fais juste excès de vitesse pour voir ce que ça donne un excès de vitesse en RS6. Ah non, il va de nouveau falloir que je me barre et tout. Wouah la D. Wouah le bail. Wouah le bail 300 Boskov, si t'es champion, monte ta tête que je te tire dessus, espèce de bolosse. Eh Samy, on a trop hâte de te retrouver. Franchement, on est tous là, on t'attend et tout, on va te récupérer. Moi non. Ah Samy, mon meilleur pote, gros, tu m'as pas fait perdre une BM à plusieurs millions d'euros, mon meilleur pote. Allez bien. Non, moi, en vrai, attends. Ah, vas-y, on réglera ça prochaine fois. Je te buterai la prochaine fois, t'inquiète. Vas-y, viens, on se pète. Parce que moi aussi, en vrai, je dois gagner. Ouais, frère, il se fait tard de fou. Oui. Vas-y, go, on se pète. Eh, Follet, tu me laisses conduire pour le retour? Se pète. Follet, tu me laisses conduire pour le retour, s'il te plaît. Vous avez pas de maison, Paradise avant. Ou quoi, vous? Non, mais il y a une garage à côté. C'était avant. Oh, la Brinks. Viens, t'es gros, on a pas d'armes, frère. On s'en fout. Attends, c'est quoi ça? Oui, c'est ça. Démocle, ouais. Ah, mais Dylan. Ouais, ok. Tu sais, elle vaut combien la M4 que tu m'as fait perdre là? C'est même pas combien elle vaut. Je crois qu'elle vaut beaucoup, non? Bah, tu dois être obligé de lui racheter la maison sur Union. Tu me rachètes la maison Union. J'ai pas de place. Y'a pas, wesh. Ok, j'achète. Y'a pas, wesh. Les gars, faut lui prendre son téléphone vite fait. Vas-y, je vais prendre. Tadam. Ouais, tu dois y aller. Moi aussi, je dois y aller. Hein. On doit tous y aller, gros. Mais tu m'as fait perdre une BM. T'inquiète, on y va là. Et tu vas partir plus que prévu. Franchement. Toi, tu m'as fait perdre une M4 à plusieurs millions d'euros. Écoute, c'est ce que je voulais te donner. J'ai une RS7 Picolor. Ouais, je m'en fous. Et... C'est de t'arnaquer. Non, j'en ai vraiment eu. Gros, chez Audi, j'aime que la RS3 et la RS6. Si, j'ai une RS6 2011. Je m'en fous. Attends, je me mets bien, Mets-toi bien. En fait, je me mets prêt à partir, quoi. Non. Ça fait plaisir, tu vois. Vas-y les gars, vous pouvez descendre et faire descendre notre invité. Descendre de la voiture. Ah c'est moi. Ouais bah l'invité quoi. Il s'est passé quoi ce soir là? J'ai pas compris, j'ai pas tout suivi. J'ai chaud là. Ça s'est mal passé. T'as chaud, ça mal chaud? Il fait chaud hein. Il fait chaud, gros. T'as pas envie d'enlever ton petit chapeau pour commencer? Juste enlever le chapeau pour commencer. Non, pas envie, ok ça marche. Moi j'aimerais bien le chapeau, je peux le garder? Ouais bah tu peux le... Mais... Non, il est encore vivant, c'est bien, on l'a récupéré. Mais il est con, j'ai joué, il est con. Vas-y, on y va, on le récupère et on se pète, on va dormir. Oui.